Comment lancer son business avec 0 dollar en poche? C'est possible aujourd'hui. De ce fait, je vais vous présenter 10 idées de business que vous pouvez lancer en 2020 pour générer pas mal de revenus. Restez branchés, je vous reviens tout de suite. N'oubliez pas de télécharger votre livre « Comment avoir une vie authentique ». En dessous de la vidéo, dans la description, vous allez retrouver le lien et vous allez télécharger ce livre gratuitement. Okay? D'abord, je vais vous présenter le premier modèle de business. C'est bien le dropshipping. Dropshipping, c'est un business que vous pouvez lancer même si vous êtes à la maison. Comment faire ce business-là? Vous commandez un produit, vous demandez au fournisseur de vous vendre ce produit-là, mais le fournisseur va directement expédier le produit au client. Par exemple, je veux vendre un laptop. Qu'est-ce que je fais? Je commande le laptop, par exemple, sur AliExpress et AliExpress va expédier le laptop directement au client. Je ne vais pas avoir de stock à gérer. Donc, c'est ici le business qu'on appelle le dropshipping. C'est bien le premier modèle de business. Deuxième modèle de business, c'est de créer une agence de publicité. Si vous connaissez quelque chose sur le marketing, vous pouvez créer une agence de pub. Toute entreprise qui veut avoir de clients qui veut grandir, mais consacre quelques parties de son budget à la publicité. Donc, si vous connaissez le marketing, si vous connaissez quelque chose sur le marketing, vous pouvez vous lancer ce modèle-là. Vous pouvez créer une agence de publicité et vous pouvez proposer votre service avec des entreprises, des petites entreprises, des grandes entreprises, etc. Et vous allez générer pas mal de revenus. Troisième idée de business, le blogging. On dit aujourd'hui que le blog est mort, mais laissez-moi vous dire sincèrement que c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas du tout vrai. Le blog, c'est quoi? C'est un site internet que sur lequel vous écrivez des articles et ces articles-là vont vous aider à avoir du trafic et le trafic va générer des clients, ok, ou des prospects. Et vous allez vendre des produits, des livres, des formations aux clients. Et c'est ainsi que vous allez générer pas mal de revenus. Beaucoup de personnes ont pas mal d'argent dans ce système-là. Quatrième modèle de business, c'est de créer une chaîne YouTube. YouTube considère comme un marché. Un marché où il donne 1 dollar pour 1000 vues. Sur YouTube, vous aurez 1 dollar pour 1000 vues. Vous allez lancer votre chaîne YouTube selon votre passion. Si votre passion c'est le sport, vous pouvez lancer votre chaîne sur le sport et le journal, vous pouvez lancer la danse, etc. Vous pouvez vous lancer dans ces domaines-là. Ok? Donc, lancez votre chaîne YouTube. Si vous êtes musicien, vous pouvez vous lancer sur YouTube avec une chaîne. Et vous allez générer pas mal de revenus. Mais YouTube demande d'avoir 1000 abonnés et 4000 vues pour rentrer directement dans le processus de paiement de YouTube. Donc, si vous avez 1000 abonnés et 4000 vues, vous monétiserez vos vidéos et comme ça, vous allez générer pas mal de revenus. Cinquième idée de business, vendre des documents en ligne. À vous rappeler que Jeff Bezos, l'homme le plus riche de la planète aujourd'hui, a fait fortune grâce à l'Internet et il a commencé à vendre des livres en ligne.
Il a fait fortune avec l'Internet. Il a vendu des livres en ligne. Amazon est la plus grande boutique en ligne qu'il y a aujourd'hui. Vous pouvez commander votre produit ou vos produits sur Amazon en ligne et vous allez retrouver votre produit. Eh bien, aujourd'hui, si vous avez des compétences sur un domaine particulier, vous pouvez écrire des documents, écrire des livres, écrire des e-books, des livres numériques et vous pouvez vendre ça sur Amazon aussi parce qu'il y a Amazon Kindle et vous pouvez vendre vos documents ou votre document sur Amazon. Il y a d'autres sites qui offrent cette opportunité-là. Mes chers amis, pendant que vous êtes à la maison, vous pouvez écrire encore et vous allez générer pas mal de revenus. Si vous êtes musicien, vous pouvez écrire des livres sur la musique. Si vous êtes couturière, vous pouvez écrire des livres sur la couture. Si vous êtes professeur d'anglais, vous pouvez écrire des livres sur l'anglais, etc. Écrivez des livres et vous allez vendre ça sur Internet et vous allez générer pas mal de revenus. Sixième modèle de business, c'est bien le copywriting. Le copywriting, c'est quoi le copywriting? Le copywriting représente les mots qu'utilisent les marketeurs à l'écrit ou à l'oral pour persuader les gens d'effectuer une action après les avoir lus ou écoutez, l'idée est donc d'être suffisamment persuasif à l'écrit ou à l'oral pour que les personnes qui lisent ou entendent vos mots passent à l'action. Donc, si vous avez cette capacité de séduire par écrit ou à l'oral, vous pouvez vous lancer dans le copywriting. Il y a des sites comme 5euro.com, Fiverr.com. Vous pouvez proposer votre service et comme ça, vous allez générer pas mal de revenus. Le copywriting, c'est pas fait pour tout le monde, mais si vous avez cette capacité, vous pouvez vous lancer dans le copywriting. Septième idée de business, devenez photographe. Il y a des sites comme photolia.com et ensuite, si vous allez sur Google, vous allez retrouver des sites qui offrent cette opportunité-là. Avec votre smartphone, votre téléphone, votre tablette et votre computer, votre ordinateur, vous pouvez faire des photos. Avec ces photos-là, vous pouvez les proposer sur des sites et comme ça, vous allez générer pas mal de revenus. C'est simple comme ça. Quand vous êtes à la maison, vous pouvez faire des photos. Quand vous êtes dans la rue, vous pouvez faire des photos. Et comme ça, vous allez proposer vos photos-là sur des sites et vous allez générer pas mal de revenus. Huitième idée de business, tester des applications mobiles. C'est possible de générer pas mal de revenus avec des applications. Comment vous téléchargez l'application et vous aurez un peu d'argent. Il y a aussi des applications, si vous regardez sur ma chaîne, que je présente des applications où vous pouvez générer pas mal de revenus. Et mobile Smart Job, c'est une application que vous pouvez générer pas mal de revenus. Il y a d'autres applications aussi que vous pouvez générer pas mal de revenus. Si vous allez sur Google Play ou si vous allez sur Google, vous allez faire les recherches et comme ça, vous allez retrouver des applications qui vous proposent des offres et comme ça, vous allez générer pas mal d'argent. Donc, allez chercher sur Google pour retrouver ces applications-là. Allez sur ma chaîne, je vous propose pas mal de vidéos qui peuvent vous aider à générer pas mal de revenus avec des applications mobiles. Neuvième idée de business, gagner de l'argent avec des sites rémunérateurs. Sur Internet, vous avez des sites qui vous offrent des missions et comme ça, vous allez générer pas mal de revenus. Par exemple, nous avons le site Tipeee.com et sur ce site, vous avez des vidéos à regarder. Au fur et à mesure que vous regardez des vidéos et au fur et à mesure que vous allez générer pas mal de revenus. Il y a d'autres sites qui vous offrent d'autres opportunités. Je vous invite à aller sur Google et taper des sites rémunérateurs et comme ça, vous allez retrouver des listes de sites et comme ça, vous allez avoir pas mal d'opportunités pour générer pas mal de revenus. Et enfin, dixième idée de business, investir en soi-même.
Investir en soi-même, c'est un principe de Warren Buffett et c'est bien un multimilliardaire qui vous invite à investir en vous-même. Quand vous investissez en vous-même, vous avez des compétences au fur et à mesure et comme ça, vous allez être payé de votre compétence. Imaginez que vous travaillez dans une entreprise. Vous investissez en vous-même, c'est-à-dire vous participez dans des formations, vous continuez à étudier, à avoir des connaissances et comme ça, vous allez avoir assez d'oracles pour remonter, ok, dans un autre poste parce que vous avez des compétences. Donc, si vous investissez en vous-même, vous deviendrez une personne assez qualifiée dans votre entreprise et comme ça, on vous paiera de votre compétence. Je vous invite, chers jeunes, je vous invite, et vous qui me regardez dans cette vidéo, d'investir en vous, Allez sur des sites pour meubler votre connaissance et comme ça, vous allez être payé selon votre compétence. C'était la 10e idée de business. C'était les 10 idées de business que vous pouvez lancer en 2020 avec 0$ en poche. Je vous invite à vous lancer dès maintenant. Je ne sais pas, est-ce que c'est dans le copywriting, dans le dropshipping, je ne sais pas si c'est dans le e-commerce, mais je vous invite à vous lancer dès maintenant parce que vous n'avez pas besoin d'argent pour se lancer dans ce business-là. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Mais avant de partir, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour ne rien louper. Je vous invite à télécharger le livre numérique « Comment avoir une vie authentique ». Le lien se trouve en dessous de la vidéo dans la description. Je vous invite aussi à visiter ma boutique pour acheter un produit, pour acheter un t-shirt, pour supporter cette chaîne-là. Merci, partagez la vidéo, likez la vidéo, commentez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.